Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo bonus pour Final Fantasy XII Zodiac Age concernant l'objet la pèlerine. Souvent on me demande comment obtenir des pèlerines dans ce Final Fantasy. C'est vrai que par le passé on pouvait les acheter à Arcades si mes souvenirs sont bons. Et dans celui-là, on ne peut plus. Mais il existe une solution en fait pour en obtenir à l'infini des pèlerines et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, je vais charger une partie un peu ancienne. Je vais charger cela, ça devrait suffire. Donc déjà, sachez qu'il doit y avoir deux ou trois endroits pour obtenir des pèlerines dans tout le jeu. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer deux des trois endroits plus une technique pour en obtenir autant que vous voulez. Donc c'est parti, hein, autant ne pas perdre de temps. Alors. Donc la première pèlerine, vous pouvez la trouver. Alors comme je me rappelle plus exactement comment s'appelle l'endroit, je vais aller au tombeau directement. Je pense que si vous avez fouillé un minimum. Alors par contre je me sens pas de me mettre. Voilà. Allez. Une vitesse fois 4. Voilà. Donc oui, la première pèlerine, si vous avez fouillé un minimum, vous avez dû la trouver, hein, c'est obligé. Hein. Elle n'est pas cachée du tout. Je l'ai même trouvée dans mon let's play, donc si vous suivez mes vidéos, normalement, vous avez dû la voir. Bon, on s'en fout. Hop. Toc, toc, toc. Alors, on va faire un peu de place. Voilà. Voilà, la première pèlerine est dans ce coffre. Là, celui-ci. Voilà. Bon, vu que c'est un objet à usage unique, quand je vais l'ouvrir, il n'y aura pas de pèlerine. Hein. Mais si vous l'ouvrez pour la première fois, ici. Exactement ici se trouve la première pèlerine. Voilà, la première en suivant l'histoire. Maintenant, en route pour la seconde. Alors la seconde, elle se trouve dans les bois de charme. Je vais vous montrer exactement à quel endroit. Alors j'ai chargé une partie un peu vieille on va dire. Parce que normalement dans cette sauvegarde je ne l'ai pas récupérée. Donc au moins comme ça vous pourrez la voir. Alors. Hop. Donc en route pour la deuxième. Bois des charmes. Bois des charmes, bois des charmes. Rapide dans la jungle. Donc la première, la mer, la deuxième, bois des charmes. Alors bon, bah, y a de la route à faire. Heureusement ils ont mis vitesse x 4, hein, putain. Hop. Hop, hop, hop. Merde. Tellement rapide le perso. On va continuer de descendre. On continue.
Voilà, donc vous passez par la jungle de Golmor. Comme quoi, vous pouvez obtenir deux pèlerines rapidement dans le jeu. Ouf. En Russie. Il faut aller tout en bas. Tout en bas, en bas, en bas. Bon. Hop, hop, hop. Continuez à descendre. Voilà. Vous descendez. Voilà, la pèlerine est dans cette zone. Ici. Voilà, elle est ici. Alors. Si elle n'apparaît pas. De côté, c'est pas plus mal qu'elle apparaisse pas du premier coup. Au moins comme ça. Vous voyez bien, donc là vous voyez bien qu'elle n'y est pas. Hein. Alors, vous voyez bien, hop, j'ai baissé un peu la vitesse. Voilà, donc vous voyez, elle n'y est pas. Donc vous prenez, vous sortez et vous rentrez. Là vous la cherchez parce que je me rappelle plus exactement où est le coffre. Non. Non, je la vois pas. Je vois pas de coffre. Pas de panique. Elle n'y est pas. Vous sortez. Et vous rentrez. Elle est contre mur, hein, donc. Donc j'ai. Pareil. Ah, vous avez vu un coffre là. Normalement, si je l'ouvre, il y a la pèlerine. Verdict. Voilà, une pèlerine. Donc, je vous montre où nous sommes. Nous sommes ici. Donc, la première, juste avant le tombeau de Rezwal. La deuxième, à cet endroit là. Il semblerait qu'il y en ait une troisième qui soit dans le phare de je sais pas quoi. Dans le phare, parce qu'à un moment on va aller dans un phare. Malheureusement, j'ai pas assez avancé dans l'histoire pour pouvoir y aller. Mais honnêtement, j'en ai vraiment pas du. Enfin, j'en ai plus l'utilité. Parce qu'il existe une technique. Une technique qui permet d'avoir autant de pèlerines que vous voulez. Donc si vous en voulez 50, pas de problème. Donc pour ce faire, je vais repartir. Hop hop hop. Repartir. Hop hop, on s'en fout. Hein. Je vais aller dans la jungle de Golmor pour utiliser le cristal de téléportation. Voilà. Il sera un peu moins fort les ennemis aussi. C'est pas plus mal. Ah ouais, j'ai vraiment plus de vie. Allez, on s'arrache. Hop hop hop. Allez. Je vais mettre. Ah. Je vais attendre qu'il soit plus visé. Voilà. Voilà. Ça arrêtera de voler tout le monde. Voilà. Donc comme je vous dis, cette technique n'est pas bien difficile. Je vais d'ailleurs vous l'expliquer avant d'y aller parce que comme je risque de mettre un petit peu de temps sur place, donc peut-être que je couperai la vidéo de façon à ce que vous puissiez voir l'essentiel, c'est-à-dire
l'obtention de la pèlerine. Alors, pour ce faire, les préparatifs. À Baltier, vous lui mettez une arme plus faible. Allez, la belle Tejaz. Voilà. Petit ruban. Donc, vous voyez les pèlerines, j'en ai deux. Hein. Voilà. Alors, un ruban. Ah putain, non, cette sauvegarde. Bon, faudra que j'aille chercher les rubans pour continuer la vidéo. Donc, c'est les gambis les plus importants. Les gambis. À Baltier, vous lui mettez. Ennemi proche visible. Bon, bah, il a déjà en fait, ça, c'est pas la peine. C'est plutôt ennemi ciblé par le leader et vous mettez capturé. Vous enlevez ça. Voilà. Et H, ennemi ciblé par le leader. Vous lui mettez capturé. Voilà. Donc en gros, voilà. Donc en gros, Baltier va avoir pour consigne d'attaquer des ennemis qui s'appellent les curls, que Fran et vont essayer de les capturer. Alors en fait, capturer. C'est très simple. Qu'est-ce que capturer ? Capture un ennemi en état de danger pour obtenir un butin. Alors en fait, il faut que vous mettiez les ennemis dans le rouge, en état de danger, hein, donc sur le point de mourir. C'est pour ça que vous êtes obligé de mettre une arme plus faible que ce que vous avez actuellement. Et avec les deux autres persos, vous faites capturer à outrance. Capturer, 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 capturer. Jusqu'à le capturer en fait. Donc il suffit qu'il soit dans le rouge pour le capturer à 100%. Hein, ça c'est pas un problème. Hein. Et puis en fait quand vous le capturez, vous obtenez un butin. C'est écrit. Hein. Et en fait ce butin, ben, c'est possible que ce soit une pèlerine. Hein, tout simplement. Donc si vous récupérez les deux pèlerines que je vous ai montrées. Et que vous arrivez à le faire ne serait-ce qu'une fois, vous avez déjà vos 3 pèlerines pour vos persos. Hein. Donc quoi qu'il arrive, vous avez 3 persos si vous décidez de faire de l'entraînement, vos 3 persos ont la pèlerine. Mais, si vous en voulez plus, rien ne vous empêche d'insister avec capturer jusqu'à en obtenir plusieurs. Le plus simple, c'est que je vous montre, au moins comme ça, vous verrez que c'est possible. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est la technique, elle fonctionne, je viens de le faire devant vous. Il suffit de faiblir le curl au maximum et quand il est sur le point de mourir, d'utiliser un de vos deux personnages restants en fait, pour le capturer. Et voilà, si vous avez un petit peu de chance, et un petit peu de patience surtout, bah vous finirez par obtenir une pèlerine. Donc je vous montre, j'ai ma troisième pèlerine. Hop, voilà, 3, j'en avais 2, maintenant j'en ai 3, donc bon, moi je vais m'arrêter là, c'est pas la peine que j'en ai 50, hein, parce que si je dois entraîner, je mets une pèlerine à chaque perso, vu qu'il n'y a que 3 qui peuvent combattre simultanément, ça suffit amplement, hein. Mais si vous, le cœur vous dit d'en obtenir plus, pas de problème, n'oubliez pas, réduisez l'attaque de votre personnage qui attaque. Hein, réduisez la puissance d'attaque de votre perso, donc moi j'ai mis Betelgeuse et avec les deux autres vous n'hésitez pas
Alors mettre capturer et capturer. Voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si si vous avez quelque chose à dire, hein, si vous avez apprécié, si vous n'y arrivez pas, si vous avez besoin de conseils, quoi que ce soit. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Et puis ben voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis je pense que je vous ai tout dit, hein. La première, la deuxième, et ici pour en obtenir le maximum. Ouais voilà, je pense que je vous ai tout dit concernant les pèlerines. Voilà, ben j'espère que ça vous servira, ne serait-ce que comme d'habitude je le dis, hein, ne serait-ce qu'à une personne, ça suffit. Et puis si ça peut servir à plusieurs personnes, ça sera encore mieux. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo dans pas longtemps, concernant cette fois-ci l'histoire. Allez, à plus. Ciao, ciao.